Tupi et Polly. Pour écouter l'histoire, ouvre ton livre. À chaque fois que tu entendras, tourne la page. Si tu n'as pas de livre, c'est pas grave. Suis avec moi. Au square, Tupi et son papa rencontrent une voisine. Papa dit « Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour Tupi. » Tupi, tu dis bonjour ? Tupi se cache derrière papa. Non, ce n'est pas grave, dit la voisine. Au revoir, Tupi. Tupi, c'est important de dire bonjour, explique papa. Mais je n'avais pas envie. Allez, Tupi, dit papa. Nous allons à la boulangerie. Je pourrais demander le pain ? D'accord, mais n'oublie pas d'être poli. Bonjour madame, je peux avoir une baguette? S'il vous plaît, ajoute papa. S'il vous plaît, répète Tupi. La boulangère tend la baguette à Tupi. Et voilà, qu'est-ce qu'on dit? Demande papa. Au revoir. Mais avant, Tupi, il faut dire merci. Merci madame. Sur le chemin du retour, papa explique. Tu sais, Tupi, c'est important d'être poli et de dire bonjour, s'il vous plaît, et merci. Tupi et papa arrivent à la maison. Voilà aussi mamie. Elle a apporté des gâteaux pour le goûter. Bonjour mamie, je peux avoir un gâteau, s'il te plaît? Bien sûr, mon chéri. Merci mamie chérie. Bravo Tupi, tu es vraiment très poli. Et voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus d'histoires. À bientôt.